le Seigneur, shalom. Shalom balingami katina nkolo. Nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes là. Je voudrais commencer par remercier les deux pasteurs qui ont accepté que je puisse prendre la parole dans cette église. J'ai cité le docteur Daniel Kawata et Atas Mpinga. Je remercie aussi les conseillers paroissiaux ensemble avec toute l'église pour votre présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour partager la pensée de Dieu. Nous sommes dans le grand thème qui parle de croître comme Dieu le veut à partir de Christ. Nous allons lire des textes. Le premier texte est dans 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset jusqu'au 7e. Et le deuxième texte se trouvera dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 3. Bien-aimés, soufflez avec moi de vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. J'ai avec moi la version Louis Second Revue. 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset jusqu'au 7e. Si nous sommes là, nous pouvons faire la lecture de la parole de Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En fait, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes pas vous des charnels ou des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire le deuxième texte, celle pour vous respecter. Je lis seulement le verset 3. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'écart des autres augmente de plus en plus, parole du Seigneur. Amen. J'ai choisi un sous-thème qui va parler de croître dans l'unité en Christ. Croître dans l'unité en Christ. Inclinons-nous dans la prière. Père, le moment est venu où nous voulons t'écouter. Ce peuple réuni cet avant-midi est venu, Seigneur, pour écouter une instruction de ta part. Cher Saint-Esprit, je voulais que je sois effacé. J'aime bien, Seigneur, que tu parles parce que ce peuple a besoin
que tu puisses leur éduquer, que tu puisses leur consoler. Cher Saint-Esprit, nous te laissons maintenant le moment. Parle tes serviteurs et tes servantes, écoute. Seigneur, accepte que ce moment, que tu changes notre vie, que tu changes notre comportement et que tu bénisses chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager cette parole de Dieu cet avant-midi avec trois péricopes. Le premier point, nous voulons faire un rappel sur croître comme Dieu le veut. Parce qu'il y a déjà plus de 10 mois que les serviteurs de Dieu ont défilé de cette chair pour parler de la croissance ou croître comme Dieu le veut. Alors nous allons juste faire une petite synthèse sur comment croître comme Dieu le veut. Notre deuxième point, nous allons essayer de parler qu'est-ce qui avait fait que l'église de Corinthe n'a pas connu la croissance. Qu'est-ce qui avait fait que cette église ne puisse pas aller de l'avant? Et le troisième point qui sera le dernier, pourquoi avons-nous choisi ce message aujourd'hui? Et nous allons terminer. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire, c'est un passage qui nous est familier. Il parle de la croissance. Mais avant d'y arriver, le rappel sur la croissance, il y a quelque chose de plus exceptionnel dans ce passage. Il y a plusieurs manières de croître, mais le thème parle « croître comme Dieu le veut ». Ce n'est pas croître comme nous le voulons, ce n'est pas croître comme quelqu'un le veut, mais ici c'est croître comme Dieu le veut. C'est-à-dire croître dans la volonté de Dieu, croître dans la pensée de Dieu, croître comme Dieu le veut. Alors, nous allons essayer de parler de croître. Croître, c'est progresser. Croître, c'est développer. Croître, c'est prospérer. Et le premier jour de ce message, le pasteur Daniel Kawata avait souhaité, en parlant avec le troisième épître de Jean, pour dire que je veux que vous prospérez à tous écarts. Donc croître dans la chair, croître dans le corps et croître aussi dans l'esprit. Amen. 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 Donc, si nous avions essayé d'écouter tous les messages, le souci était que l'Église puisse grandir. L'Église puisse aller de l'avant. L'Église puisse marcher. Parce que dans la croissance, il y a deux éléments. Le premier élément, on parle du lait. Donc on prend exemple d'un enfant. On parle du lait. On parle de la nourriture. On parle de marcher. Et on parle de parler. Et ces quatre éléments vont faire arriver quelqu'un à croître. Pour ceux qui sont parents, ils savent que chaque parent, son souci ou son désir, il veut que son enfant puisse croître. Il veut que son enfant puisse aller de l'avant. Et même chaque personne, il veut toujours aller de l'avant. Bien aimé, si quelqu'un ne avance pas, il le recule. Et si quelqu'un recule, il n'a pas
pas de l'avenir. Et l'Éternel notre Dieu, il veut que nous puissions croître. C'est ça sa volonté. Croître comme Dieu le veut, c'est-à-dire c'est accepter les principes de Dieu. Accepter l'enseignement de Dieu. Accepter la voix de Dieu. Donc ce n'est pas faire sa volonté, mais c'est faire la volonté de Dieu. Quand Paul avait compris, il a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Christ doit vivre dans mon corps. Amen. Amen. Croître, c'est aller de l'avant. Croître, c'est progresser. Ça, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à tous les enseignements que nous avons suivis. Mais dans le passage d'aujourd'hui, qui nous amène à notre deuxième point, qu'est-ce qui avait fait que l'église de Corinthe ne puisse pas croître? En lisant ce passage, je voulais évoquer trois choses. La première des choses, l'apôtre Paul a trouvé qu'à l'église de Corinthe, il y a eu la division. Il y a eu la division. Il y a eu des groupes de gens. Les uns disent, nous sommes de Paul. Et les autres disent, nous sommes d'Apollos. Et qu'est-ce qui les a amenés à cela? La Bible dit qu'il y avait des jalousies au milieu d'eux. Et il y avait aussi des disputes. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, que ce soit Paul ou Apollos, tout ce qu'il pouvait donner comme message, c'était de parler de Christ ressuscité. Christ ressuscité, c'était le centre de leur message. C'est pourquoi Paul arrive maintenant à parler. Dans ce passage, il commence à dire que je vous considère comme des hommes charnels. Dans les enseignements des affermissements, il y a trois types d'hommes. Il y a un homme animal, il y a un homme charnel, et il y a un homme spirituel. Quand on parle de l'homme animal, pour lui, on ne peut même pas parler de Dieu. Donc, parler de Dieu, donc, c'est un nouveau message pour lui. Il ne s'intéresse même pas. Il ne veut même pas écouter. Je ne vais pas parler de cet homme-là aujourd'hui. Mais la deuxième personne ou le deuxième homme, on parle de l'homme charnel. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a déjà même accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vient à l'église. Il écoute la parole de Dieu. Il dit même Amen à la parole de Dieu. Mais il ne met pas cette parole en pratique. Amen. Amen. Le verset, il connaît, il le retient même par cœur. Il peut même vous corriger. Mais pour mettre cela en pratique, ça devient un problème. Et c'est là que Paul dit, je parle comme à des hommes charnels. Amen. Je parle comme à des hommes charnels parce que ces hommes-là, ils ne veulent pas croître. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Ils sont comme des poteaux indicateurs. Quand vous êtes à la grande route, les poteaux qui est planté là-bas, ils nous montrent là où il y a l'église, mais ces poteaux ne s'est jamais déplacés pour arriver ici. Amen.
Amen. Donc, ce sont des gens qui peuvent parler de bien. Mais mettre cela en pratique devient un problème. C'est là que Paul arrive à dire, bien-aimé, écoutez, il y a des divisions parmi vous. Il y a ceux qui se disent que nous sommes de Paul. Les autres disent que nous sommes d'Apollos. Et là, il va plus loin. Il pose la question. Qui est Paul? Qui est Apollos? Nous sommes que des serviteurs inutiles par le moyen de la grâce. Bien aimé, même dans l'église aujourd'hui, il y a les gens qui disent nous sommes des tels, nous sommes des tels, tel ou tel, ce sont des serviteurs de Dieu par le moyen de la grâce. Sans la grâce de Dieu, on est inutile. Et le message que nous apportons, c'est le message de l'évangile. Nous voulons dire aux gens, il y a quelqu'un qui est né, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est ressuscité, il y a quelqu'un qui viendra, c'est Jésus-Christ. C'est ça le message que nous devons apporter. Et Paul pose la question. Pourquoi il y a des divisions au milieu de vous? Pourquoi il y a des jalousies au milieu de vous? Pourquoi il y a des disputes au milieu de vous? Avec ces trois éléments, l'Église ne peut pas croître. Amen. Et Paul dit, nous voulons que vous soyez unis. J'aime quand il parle. Il dit, Paul, moi Paul, j'ai arrosé. Moi Paul, j'ai planté. Moi Paul, j'ai cerclé. Apollos a fait le même travail. Mais celui qui fait croître, il n'y a que Dieu. Amen. On peut planter, on peut arroser, mais si Dieu ne fait pas croître, et le travail là ne va pas avancer. Bien aimé, il y a les gens qui font le travail de champ. Vous pouvez avoir de la semence, vous pouvez jeter dans la terre. Si la terre ne vous donne pas la bonne semence, donc ces semences là vont périr. C'est lui qui nous donne la bonne semence, il n'y a que Dieu. C'est lui qui fait croître l'œuvre, il n'y a que Dieu. Paul n'est rien, Apollos n'est rien, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de Paul et d'Apollos. Et dans ce passage, Paul continue même à dire, j'ai parlé à avec vous dans la manière des hommes pour que vous arriviez à comprendre. Ça ne sert à rien d'avoir des divisions à l'église. Ça ne sert à rien d'avoir des disputes à l'église. Ça ne sert à rien d'avoir des jalousies à l'église. Ça, c'est propre aux hommes et aux femmes charnelles. Paul continue. Paul Azokoba. Il dit, j'ai parlé avec vous comme aux petits enfants. Je vous ai donné le lait et non le repas solide. Parce que je connais que le moment viendra où je vais vous donner le repas solide. Bien aimé, nous sommes appelés pour commencer par le commencement. Pour arriver à bien marcher, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par écouter la parole de Dieu. Et il faut aussi arriver à donner ta vie à Jésus. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. La parole que Paul parle
C'est pour dire que tout ce que nous avons fait, planté ou arrosé, c'est avec la parole de Dieu. Donc nous devons éviter certaines choses à l'église de Dieu. Je voudrais arriver au troisième point. Amen. Amen. Peut-être que je vais vous surprendre. Je vais terminer avant que vous vous attendiez de terminer. Le troisième point de ma communication. Pourquoi avons-nous choisi ce passage aujourd'hui? J'ai quatre raisons. La première raison, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a les problèmes de Corinthe chez nous aujourd'hui? Je vais répondre par oui. Parce que ce qui était du temps de Paul et Apollos à Corinthe, on les trouve aussi à l'église aujourd'hui. Amen. On trouve dans l'église, il y a des divisions. Bien aimé, si on va parler maintenant des divisions, c'est au niveau de l'église. Si c'est Christ qui est notre dénominateur commun, pourquoi nous avons beaucoup d'églises? Et quand vous allez suivre cette église-là, c'est dans la division qu'ils sont allés implanter une autre église. Amen. Amen. Comme nous sommes ici à l'aumônerie, il y a quelqu'un qui n'écoute pas bien le message ou qui, par sa propre volonté, il quitte pour créer son église à côté. Et il part dans la division. Donc la première raison, c'est la division qui était à l'église de Corinthe se trouve à l'église aujourd'hui. Vous allez trouver que les gens sont venus à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais les gens quittent pour écouter la parole de Dieu, ils deviennent maintenant des fanatiques. Nous sommes deux. Nous nous sommes deux. Et vous savez, il y a même deux gens, quand c'est tel prédicateur qui n'est pas là, lui ne peut même pas venir à l'église. Donc lui va venir à l'église quand il y a tel prédicateur. Ça, c'est l'histoire qui était passée à l'église de Corinthe. J'ai béni le Seigneur parce que je me retrouve à l'aumônerie. Amen. J'ai évolué dans des communautés. Et il y a des côtés où il y a les gens qui sont des. Même si cet homme-là fait du mal, quand on l'a déjà avalé, il reste notre frère. Il est de notre contraire. Il est le nôtre. Non, ça ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est notre église à tous. Il n'y a pas d'aider. Amen. Amen. Donc l'église doit être unie. L'église doit marcher dans l'unité. Il y a des gens qui disent nous, nous sommes deux. Les autres disent nous sommes deux. Et ça devient compliqué. Nous voulons que cette histoire puisse quitter au milieu des enfants de Dieu qui veulent croître. Il n'y a pas celui qui est de Paul et d'Apollos. Quand on enlève celui-là, nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes appelés par le Seigneur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servantes de Dieu. Le message que nous apportons, ce n'est pas notre message, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voulais faire une parenthèse. Très souvent, quand les gens viennent à l'église, je ne sais pas s'ils comprennent pourquoi nous venons à l'église. Et qu'est-ce que nous venons écouter? J'ai évolué dans une communauté où on n'accepte pas le ministère de la femme. Amen.
Amen. On ne peut même pas accepter qu'une femme interprète ou une femme prêche ou une femme modère. Alors dans une assemblée, j'ai posé la question. C'est l'une des raisons que je me suis retrouvé à l'aumônerie. J'ai dit, quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter quoi? Et on m'a répondu pour écouter la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à travers la personne. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est Dieu qui parle. Dieu est capable d'utiliser la personne qu'il veut. Sans tenir compte des têtes, sans tenir compte de l'âge. Dieu l'utilise comme il veut. À plus forte raison, il a utilisé une bête pour prêcher. Il a utilisé une bête. Le cheval a parlé à Balaam. Il a prêché Balaam. Si le cheval a prêché, à combien plus forte raison une personne créée à l'image de Dieu? Bien-aimés, pourquoi nous allons mettre des divisions au sein de l'Église? Pourquoi nous devons exclure certaines personnes au nom de l'Église? Paul a planté. Apollos a arrosé. C'est lui qui fait croître ces dieux. Le travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Le message que nous apportons, c'est le message de Dieu. La première raison, c'est pour dire que l'histoire qui était à Corinthe peut être aussi aujourd'hui. Et nous devons faire attention de nous diviser. Nous devons vivre dans l'unité. Parce que la prière sacerdotale de Jésus-Christ, en Jean chapitre 17, il prie, il dit, Père, je voudrais qu'il soit un comme moi et vous, nous sommes un. L'Église doit vivre dans l'unité. L'Église n'est pas le lieu où nous allons parler de nos régionalismes. Où nous allons parler de clanisme, où nous allons parler de tribalisme. Non, nous devons oublier cela. Nous devons voir ce qui nous unit. Nous devons enlever ce qui nous divise. Nous sommes unis par la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu es mon frère. C'est là que tu es ma soeur. Parce que nous avons un dénominateur commun. L'église n'est pas le lieu des tribus. L'église n'est pas le lieu des clans. L'église n'est pas le lieu de fanatisme. L'église, c'est le lieu où nous devons vivre dans l'unité. Amen. Amen. Deuxième raison. L'apôtre dit, il y a des jalousies au milieu de vous. Bien-aimé, aujourd'hui, vous savez qu'on peut organiser une fête maintenant à l'église. Là où les hommes et les femmes sont réservés, c'est à l'église. Préparer une fête, ne cherchez pas à avoir beaucoup de nourriture parce que les gens ne vont pas manger. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un vient, il dit non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Or, c'est à l'église où on devait faire la communion. Mais parce qu'il y a des jalousies. Vous savez, il y a des gens qui vous jalousent sans même raison. La personne te regarde. Ma sœur, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Pour quelle raison? Il n'a aucune raison. Donc c'est une jalousie seulement. Amen. Je vais faire une parenthèse. J'ai dirigé une église à l'aumônerie. J'ai vu une sœur qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je voudrais que tu viennes prier chez moi à la maison.
Je pose la question pourquoi. Elle me dit que j'ai une voisine. Quand je suis sorti le matin, elle m'a salué. Et après avoir me salué, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré amèrement. Alors la voisine d'en face, elle est sortie. Elle dit, maman inspectrice, tu peux partir au travail. Elle dit, mais il y a quand même ma soeur qui pleure. Elle dit, non, toi tu pars au travail. Et elle est partie au travail. Elle était inspectrice de l'école secondaire. Alors arrivée au travail, au retour, elle était vraiment dans le besoin de connaître pourquoi sa voisine pleurait. Alors elle est arrivée à la maison et elle pose la question, est-ce que la telle sœur elle est là? On dit elle est là. Elle est partie chez la voisine. Ma sœur, je t'ai vu en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé encore à pleurer. À pleurer amèrement. Alors la sœur est partie. Elle est allée chez l'autre voisine. Arrivée là-bas, elle dit, mais j'ai trouvé la sœur en train de pleurer. Elle lui dit, ma sœur, est-ce que tu sais pourquoi elle pleure? Elle dit ceci, toi, tu es inspectrice, ton mari, il est directeur, tes enfants, ils ont terminé les études, mais ses enfants, elles n'ont pas étudié. Et c'est pourquoi ils pleurent. Amen. Donc une jalousie ou une personne qui n'est pas ni de ta famille, ni de ta contrée, et tu pleures comme ça. J'ai dit, ma soeur, là, c'est une sorcellerie. Donc, qu'elle avait caché et elle a fait sortir cela. Alors, nous allons prier. Bien aimé, il y a des gens qui sont tes ennemis sans raison. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais il ne t'aime pas. Amen. Amen. La jalousie mal placée. Donc, l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui ont de la jalousie au niveau de l'église de Dieu. Là, il est là, il est en train de regarder ce que tu as porté. Le dimanche passé, tu avais porté telle robe. Ce dimanche, tu as porté telle robe. Et ça peut faire même un débat à la cité. Amen. Amen. Une jalousie là sans raison. Et troisième élément, il parle, il y a des disputes. Il y a des disputes au niveau de l'église. Les gens, au lieu de parler de la parole de Dieu, ils se disputent sur les doctrines. Et quelle est la doctrine même? La doctrine que nous avons, c'est la doctrine de Christ pour croître. On n'est pas sur les choses donc éphémères. Nous ne sommes pas sur les choses passagères. Nous devons regarder vers le devant pour croître. Mais la quatrième chose est la dernière. Pourquoi j'ai choisi ce message? Pour croître comme Dieu le veut. La première raison, c'est écouter la parole de Dieu. Amen. Bien, mais il y a les gens qui viennent à l'église pas pour écouter la parole de Dieu, mais c'est pour écouter les autres. Amen. Je fais une parenthèse encore. Vous allez m'en excuser. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Comme un frère venait à l'église là, quand on prêche la parole de Dieu, à la fin, il dit, pasteur, en tout cas aujourd'hui, bayoki. Aujourd'hui, ils ont compris. Tu y as bien parlé. Comme ils ne veulent pas comprendre, ils ont compris aujourd'hui. Donc lui n'a pas compris, il n'y a que les autres. Mais Dieu a fait une chose extraordinaire. Un dimanche, il y a eu la pluie.
Et à l'église, il n'y avait que le pasteur et le frère là. Et le pasteur a prêché. Il termine la prédication. Il dit, frère, comment aujourd'hui? Les pasteurs, ils étaient absents. Amen. Et le pasteur lui dit, la parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres, ça commence pour toi-même. Mais même les prédicateurs. Amen. Amen. Même les prédicateurs, un bon prédicateur, avant qu'il enseigne, il doit être enseigné lui-même. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres, d'abord c'est pour moi-même. Parce que moi aussi j'ai besoin de croître.